Flamand. Bonjour. Alors, Orphée et Eurydice, c'est la prochaine création du Ballet National de Marseille à l'Opéra de Saint-Étienne, qui ensuite ira à l'Opéra Royal de Versailles. Pourquoi Orphée et Eurydice, tu restes ? Mais c'est une proposition. On m'avait, depuis de longues années, on m'a proposé quelquefois des opéras. Je me suis toujours eu peur d'aborder l'opéra parce qu'il y a des chœurs sur scène et bon, ce sont des machines énormes et en même temps tout mon imaginaire qui rêve un peu d'un théâtre total finalement menait quelque part vers ces créations d'opéra. Et ici c'est le thème qui m'a fort intéressé puis c'est une proposition de l'opéra de Saint-Étienne et puis je me suis lancé. Bon, parce que pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est les trois rôles principaux, donc trois chanteuses sur scène, laisse aussi la place au développement de toute une chorégraphie et de travailler avec un artiste visuel aussi. J'ai découvert son travail à un lieu extraordinaire qui s'appelle la Bicocque à Milan. Et quand j'ai vu ce travail-là, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment l'artiste qu'il faut pour cet opéra-là, précis, pour cette tragédie, en fait. Et bon, il est belge, hein, je dis ça, bon, ça ne veut rien dire. Et en même temps, il y a un imaginaire du Nord très très fort, vous voyez d'ailleurs déjà dans ceci, tout dans les bleus, gris, bleu, vert. C'est un univers très particulier, un univers qui fait un peu penser aussi au non-lieu. J'ai déjà travaillé moi-même sur ce thème de la ville, les non-lieux, ces couleurs très particulières, des faubourgs, des périphéries, etc. Et donc je l'ai contacté et on a commencé à travailler au concept de cet opéra, évidemment un concept un peu contemporain, vous imaginez, vous connaissez un peu mon univers. On a décidé de resituer tout l'opéra dans la ville, en fait, dans différents types de villes. Alors, ce qui nous a frappé aussi, c'est qu'il y a une dualité du personnage d'Orphée, qui est à la fois Orphée l'enchanteur, le gagneur, mais aussi Orphée le perdant. Et on passe continuellement en opéra de l'un à l'autre, et on a voulu accentuer ça en choisissant, en doublant le rôle d'Orphée. Donc il y a deux danseurs qui joueront Orphée. Un sera blanc, c'est le golden boy, l'Orphée qui gagne. Et puis un Orphée tout noir, qui sera habillé en noir, je veux dire, et qui symbolisera l'Orphée triste, l'Orphée des ténèbres, celui qui va à la rencontre des furies, qui va traverser le Styx à la rencontre de Rhys. Et donc, ça nous a permis de développer, parce qu'il y a déjà une heure de spectacle plus ou moins réglée, donc ça nous a permis de développer effectivement une chorégraphie très importante en doublant le chœur, puisqu'il y a un orchestre, hein, vous le savez, et puis il y a un chœur de 24 chanteuses, plus les trois. Donc c'est une grosse machine, évidemment. Et donc nous avons doublé à la fois Orphée par la danse, Eurydice par la danse, Amour par la danse et le cœur aussi par la danse. Alors on passe effectivement donc de la métropole joyeuse, le début, l'ouverture, normalement où il n'y a pas de danse, l'ouverture c'est l'orchestre. Donc on y a vu tout de suite la ville joyeuse, la ville triomphante, hein, donc une sorte de Bex situe ça visuellement dans une ville du futur, je vous expliquerai un peu comment après. Puis après la deuxième scène, c'est le deuil, effectivement, c'est la tombe, hein, Orphée est mort piqué par un serpent, et donc on est dans un tout autre mood. Et puis bon, ça change continuellement. Puis il découvre les furies, il est dans des furies, il découvre les Champs-Élysées, c'est la ville mélancolique. Et nous travaillons aussi sur la version de Berlioz, qui est une version un peu particulière, parce qu'il a ajouté une fin très joyeuse. Donc ça renforce encore le passage dans des moods extrêmement opposés, en fait, de la joie aux ténèbres, des ténèbres à la mélancolie, etc. Alors avec Anne Sotheby, nous avons cherché un concept très particulier à chaque scène. Et la manière dont il travaille est très intéressante. Donc il y aura un film qui fait toute la longueur de l'opéra.
Et lui, il travaille à partir de maquettes qu'il réalise, je vous montrerai tout à l'heure. C'est des petites maquettes qui sont sur... bon, c'est un artiste pluridisciplinaire, hein. Il fait des films, il fait des environnements, il fait des peintures, des dessins, etc. Et donc il part de maquettes, si vous voulez, et on refilme ces maquettes et on les projette évidemment sur des écrans immenses. En l'occurrence, ici, ce sont des écrans transparents, très grands, qui pivotent sur eux-mêmes, où on voit par la transparence les danseurs. Donc un passage, bon, de, hein, si vous voulez, l'autre côté du miroir aussi, hein, Narcisse, Orphée, Alice aussi, hein, le passage de l'autre côté, qui symbolise aussi la traversée des univers multiples qu'Orphée va connaître. Et bon, par exemple, pour vous donner une idée de ce type de travail qui est très minutieux, qui prend des heures, bon, la ville, par exemple, il l'a symbolisé par des centaines et des centaines de morceaux de sucre blanc. Il a bâti une ville de sucre blanc, avec des buildings en sucre, etc. Alors bon, c'est hallucinant parce que quand on voit en vidéo, ça fait effectivement penser à New York à 5h du soir et on ne se rend pas compte que c'est du sucre. Enfin, si on le sait, on regarde, oui, on comprend. C'est à la fois très beau, très poétique et un peu ironique. Deuxième scène, c'est la ville en ruine, puisque Orphée pleure sur la tombe, etc. Et donc, par exemple, il a versé des dizaines d'eau bouillante sur cette ville en sucre et qui fond complètement. Et on a un paysage désolé comme ça en quelques minutes. Vous voyez ce type d'imaginaire. Il y a aussi une ville faite de bouteilles en plastique avec de l'eau à l'intérieur quand Orphée va rencontrer Amour, par exemple. Alors, on a imaginé qu'il allait rencontrer Amour. Dans un endroit tout à fait intemporel, hein, puisqu'on est en thème de la ville, au sommet d'un building, il prend l'ascenseur, bon, et tout ça est symbolisé avec des petits moyens, mais merveilleux, qui font vraiment penser, qui donnent cet imaginaire de la ville continue. Cette symbolique, Orphée et Eurydice, qui va aussi à la fois vers un renouveau et puis le fait qu'il ne faut pas regarder en arrière, est-ce que c'est. On peut y voir une symbolique de renaissance pour le Ballet National de Marseille? Ah, bon, écoutez, ça va au-delà du Ballet National de Marseille. Hein, je veux dire, non, c'est une dimension nouvelle en tout cas, si pas une renaissance, une dimension nouvelle, nous entrons. Bon, dans quelle mesure est-ce une dimension nouvelle? Parce qu'on ne travaille plus à partir de la page blanche, hein, ce que j'ai toujours fait. Bon, hein, que ce soit Métapolis, c'était une interrogation, le statut du corps dans le monde d'aujourd'hui, tout ça. Les différents types de corps qu'on connaît, le corps réel, le corps, hein, vous connaissez, hein, médiatisé, le corps virtuel, enfin bon, ça m'a toujours très fort intéressé. Non, ici, on travaille sur l'histoire, aussi sur la mémoire, ce qui est tout à fait autre chose. C'est une œuvre avec une musique extraordinaire, d'ailleurs, et il y a un côté narratif aussi. Donc, il y aura différentes strates à ce spectacle. La narration, qui peut être une histoire d'amour, la mythologie, bien sûr, le passage dans, hein, d'univers multiples, une fin joyeuse, triomphale qu'a voulu Berlioz d'ailleurs, hein, qui n'est pas du tout par exemple dans la version qu'on a fait de Pinamoge, où c'est la mort au début et c'est la mort à la fin en fait. Hein. Bon, ici, c'est très différent. Donc c'est aussi la vision, une réflexion sur la vision. Et là aussi, c'est très contemporain parce que nous aussi, on vit dans une société de multiplication d'images qui s'évanouissent les unes après les autres. On vit dans ce bombardement d'images, mais elles meurent. On les regarde à peine, elles meurent, puisque, je ne sais pas, quand on regarde une émission à la télé ou quoi, bon, je dis, il y a un tel défilement d'images dans notre monde contemporain qu'elles meurent à peine apparues, elles meurent. C'est aussi intéressant. C'est la vision qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est une métaphore, bien sûr, mais bon, moi j'en parle quand même un peu dans le programme, par exemple. C'est une des raisons qui m'a très interpellé pour aborder ce mythe-là. Pour ce qui concerne le choix de la partition, pourquoi Gluck et Berlioz? Puisqu'il s'agissait d'une première sur un opéra. Et c'est en français, c'est la version française aussi. Oui, mais peut-être que Monteverdi, qui était justement l'Orfeo de Monteverdi, qui était le premier opéra reconnu, aurait peut-être convenu une première pour Frédéric Flamand. Je ne sais pas, moi j'aime beaucoup. Bon, d'abord c'est en français, ce qui est quand même bon. Et en plus, n'oubliez pas, on le joue à Versailles. Or, Marie-Antoinette a fait un
introduit Gluck en France, et donc ça a une résonance, ça aura une résonance très très forte à Versailles. Bon, tout le travail du Ballet de Marseille, qui est aussi en de la mémoire à l'innovation, je crois qu'il va se reconcentrer sur ce spectacle très fort, puisqu'il y aura une chorégraphie qui n'est évidemment pas académique, vous l'imaginez bien, avec un artiste contemporain quand même assez radical, mais très pointu aussi. Donc ça va avoir beaucoup de résonance, je crois, à Versailles, qui veut aussi amener l'art contemporain, que ce soit la sculpture, au château, etc. Et donc ici, c'est le même rapport à l'opéra, qui a un lieu, qui a un des plus beaux théâtres au monde, à l'italienne, hein, qui a une salle fantastique qui a été restaurée, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été restaurée avec toute la machinerie d'époque en bois, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je crois que cette confrontation, que personnellement, que j'aime beaucoup d'univers soi-disant d'époques différentes, opposées, finalement, un monde qui a peut-être pas un progrès en art, mais il y a toujours une utopie qui revient continuellement à travers les époques. Thank you.